Et bonsoir à tous. Tout pile poil. Je viens de tout faire en moins de 5 secondes. Qu'est-ce que... Bonsoir. Comment ça va? Remboursement. bonsoir à Carlyle et Kurohashi. Comment allez-vous? Comment ça va? Je viens de tout faire en 3 minutes, même pas. Et salut les mecs, c'est moi. Alors, ben change, lancer le PC, lancer OBS, changer le descriptif, etc., etc., etc. Le tout en moins de 2 minutes. Ben voilà, impeccable. Voilà, voilà, voilà. Donc on continue Mass Effect. Non, alors pour la petite histoire, notification de live pour ceux qui quand j'ai changé, j'avais mis je suis en retard, je me suis perdue entre la cuisine et la Velvet Room. Le souci c'est que Twitch ne m'autorisait pas le je suis en retard. Apparemment, je ne respectais pas les règles de la modération. Je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref. On s'en fiche. je ne me posais pas de questions, je ne sais pas. De toute évidence, Twitch n'aime pas que les gens soient en retard. Hein. C'est... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche plus. C'est ça. C'est ça, j'ai pas compris. J'avais mis « Je suis en retard, je me suis perdue entre la cuisine et la Velvet Room. » Et non, il voulait pas. Bon, ben il voulait pas. Voilà, j'ai pas compris. Ah! Ah oui. Oui, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'avantage, voilà. C'est l'avantage entre plusieurs langues, c'est que un mot en anglais n'est pas ne veut pas forcément dire la même chose en français. C'est prodigieux. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pense qu'ils sont... Twitch, ils sont sponsorisés par PlayStation au niveau de la modération. C'est-à-dire que des fois, PlayStation, quand tu vas envoyer un screen avec le hashtag, le hashtag, il passe pas. Le hashtag du jeu, il passe pas. T'as envie de dire, ok, on va pas chercher. Je ne ferai aucun commentaire de plus. Oh, ça va. Et coucou de Grilou, comment vas-tu? Comment ça va? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Je me souviens, donc, j'avais été faire une mission secondaire pour le monsieur là-bas. Le monsieur qui est là, voilà, monsieur Gavin Hossel, hein, voilà, donc j'avais fait la mission secondaire. Et donc, qu'est-ce que je devais faire maintenant? Je ne sais plus. Ah oui, le taurien, c'est ça. Sur Féroce, on ignore encore pourquoi. Sa reine tient tente à détruire, mais une chose est claire, le taurien exerce un contrôle sur la plupart des colons. Oui, et donc, logiquement, si je me souviens bien, j'avais changé la grenade. Oui, 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 je vais vérifier. Oui, je vais vérifier. Mode gaz anti-taurien. Voilà. C'est donc ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, ça y est. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Maintenant, il faut trouver son chemin. Voilà. Voilà. Je sais pas par où c'est. Ça doit être par là, je suppose. Suppose je bien.
Hop là. Allez, on va voir là. Ah bah parfait, impeccable. Oula. Ah, il y a des gens à tuer. Voilà. Impeccable. Et coucou, Konpoto! Eh ben écoute, les grands esprits se rencontrent. Effectivement, je suis en pleine découverte aussi. Oh, 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 oh. Turtle Beach, Stealth Gen Max in Turi. D'accord. Je connais pas. Je connais Turtle Beach, mais je connais pas ce modèle. Une blue bicyclette. Oui, c'est quelque chose, en effet. Je t'avoue que c'est ma plus grosse phobie dans le jeu, c'est de prendre le Mako. Voilà. C'est vraiment ma phobie. Mais à part ça, tout se passe bien, à peu près. À part quand je me perds. Bonjour, qui êtes-vous? Vous avez une sale tête, monsieur. Faudrait peut-être songer à dormir. Voilà. Voilà, merci bien. Vous êtes mignon. C'était quoi ce monstre? Ça n'avait rien d'humain en tout cas. Interdiction de blesser les colons, même si le taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. Bien compris, commandant. Allons-y. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, grenade incapacitante. Qu'est-ce qui s'est passé? Reload, il sort le 2 février. Je... Voilà. Je croyais que ça allait s'ouvrir tout seul, en fait, comme les autres. Mais de toute évidence, non. Mais justement, j'essaye, mais ça veut pas. Bon, c'est pas grave. On va recharger la partie, hein. Voilà, on va faire ça, hein. C'est pas grave, tout va bien. Voilà, super. Oh bordel. Grenade. C'est quoi ça, c'est... Ah non, serviteur victorien, ça je peux tirer. Ok. Ah. Prends ça. Attention. Oh mais... Vous voulez pas tirer les grenades, vous? Non, je sais pas.
Ils les ont peut-être pas. Bouclier inactif. Bon, ok. Eh bien écoute, avant j'adhérais pas du tout. J'adhérais pas du tout, le 1, le 2, le 3, je les ai tous achetés, je les ai tous essayés, ça me... Voilà, j'arrivais pas à accrocher. Et non, là franchement je m'éclate. Vous, ça va, je peux tirer. Je vais tirer les gars. J'ai plus de... Voilà, bon, hein, on va pas tirer. J'ai plus de grenades. Merde! Crotte de bique, j'ai buté un colon. C'est pas grave. Non, mais ça va, j'en ai tué qu'un en soi, mais voilà quoi. Tirez pas sur les colons, les débiles! Faites pas comme moi! Ah mais c'est moi ou Garus il est mort. Oh là 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 là. Mais non, mais poussez-vous. C'est pas grave. Allez viens machin. Oui, dommage collatéral. Voilà, ça arrive. Bon, voilà. C'est quoi, je suis posé de tirer. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas que ça à faire. D'accord, t'es gentil. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut loot des greux. Ok. Et comment je fais ça, moi? Ah. Oh, mais arrêtez de me tirer dessus! Mais non, mais je viens en paix! Oh là là! Ça... Mais non, mais arrêtez! Mais je suis gentille! Poussez-vous! Bouclier perdu! Aïe! Bon, y a pas de greux, hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Mais non! Mais je suis gentille! Voilà. Bon. Eh ben on est bien. Ça doit être ça. Ah, ça là. Non, je peux pas. 14 colons pour... Il m'en a buté un, lui, ou quoi? Eh mais, trou du cul! T'as rien compris à ce que je t'ai dit? Je vais essayer d'y aller. Bon, toi, tu restes là. Tu bouges pas, parce que tu vas me les tuer.
Bonjour. Non, je fais que passer. Bouclier désactivé. Aïe. Je fais que passer, je fais que passer. Aïe. 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 Bonjour. Aïe. Mais non, mais je suis gentille. Oh là là, aïe, 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 aïe. Ah. C'est pas ça? C'est pas une grenade, ça? Ah non, j'ai cru. Bon. Non. Mais non, je suis pas perdue. Mais si, vrai que c'est trou du cul. Mais si, parce que, attends, j'en avais 15 et là j'en ai plus que 14. Bon, par contre là je vais me perdre, hein, parce que à force... Mais non, je me suis pas perdue, enfin pas encore. Enfin ça va pas tarder. Mais c'est plutôt que... Je veux des grenades moi. Bon, toute évidence, il n'y a pas de grenade. Voilà. Bah, il n'y a pas de grenade. Voilà. Donc, me v'là bien embêté. Me v'là bien embêté. Bah ouais hein, va falloir qu'il y ait un petit... Ouais bah oui oui oui, non mais au moins quoi. Enfin je suppose hein Rechargement en cours. Non mais j'ai même plus de medikit alors pour vous dire à quel point c'est critique. Inactif. Oh. Bon. C'est ça là. Non, ça va pas s'ouvrir non plus. Bon, les gars. Garus, viens ici, tu vas mourir. Bouclier inactif. Ah bah, il y en a plus que 13. Voilà, hein. Tu me l'as buté où, canard? Non mais, bon. J'ai... Je... Non, j'ai pas vu. Où ça? Ah ben non, mais c'est l'autre, là. C'est un sauvage? Petit escalier gauche, oui, celui-là. D'accord. D'accord. Il y a des grenades? Il va me dire pas celui-là? L'autre, ah. L'autre gauche. Celui-là, là. Aïe, eux. Aïe. 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 Ils en viennent partout. Arrête avec ton chien. Bon, c'est pas celui... Ah, celui-là, là. Ici? Non, c'est pas ça. Bonheur. Bon. Ok. Par contre, arrêtez de m'énerver Vrex, parce que lui, il est en train de buter tout le monde. Bouclier hein. Perdu. Bon, c'est quoi? Il faut que je tire. Ça devient intéressant. Oui, allez, viens là, toi. Parce que tu vas buter tout le monde. Faut que je tire à la grenade là-dessus, là? Faut que je tire là-dessus à la grenade. Mais... Je peux pas les économiser, parce que ça m'a l'air chiant à trouver, quand même. Ah, je suis obligée de les tirer sur les colons. D'accord. Bon, ok. D'accord. Bon. Voilà. Voilà, je suis désolée. Non mais elle s'en est sortie la garce. Viens ici. Viens ici. Prends ta grenade.
Viens prendre ta grenade. Voilà. Oh. Bon. Il y a encore des intéressés? Ok. Ils en viennent partout. Mais non. Mais on est que deux, oh, ça va. Attention. Voilà. Super. C'est bon? La voie est libre. La voie est libre. Allez, parfait. Ok. Faut activer la grue. Magnifique. Oh, mais j'étais pas obligée de tous les neutraliser, en fait. Oh, j'aurais pu économiser deux grenades. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Non, ça va, ça va. C'est hey, en soi, c'est, moi j'en ai tué qu'un, hein, sans faire exprès, parce que j'ai cru que c'était un... Voilà. Un mort-vivant, là. Je vous arrête. Et c'est vrai que s'il a fait le reste, hein, moi j'ai rien fait. Hein. Lui, il a rien compris. Hein. Bon. Eh ben super. Vrex, oui, je suis d'accord. Bah ouais, mais bon, j'avais explicitement dit qu'on tirait pas à vue. Bon, l'autre, de toute évidence, il s'est dit, bah les couilles. M'en fous de ce que tu dis, mec. M'en fous. Bon. Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce que... Ça, ce n'est pas dans le manuel d'entraînement. Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. C'est pas faux. C'est pas faux. Il est un peu fragile, Garus, quand même. Il est un peu fragile, il est un peu fragile. Oh la vache. Oh, oh l'épaule. Oh. Oh, c'est handicapant, une épaule en moins, je vous le dis. Bon, alors du coup, il va me falloir... Ah, bonjour, madame. Chacun de vos pas est une transgression. Il va m'en falloir un deuxième comme vrai. Du coup, chaque fois, je me paume. Ne voyant vous rien d'autre que viande. Oui, bah écoute. Ou laisser pourrir sur place. Je peux pas mettre en pause. Je vous parle au nom de la flore éternelle. Ça fait 3 jours que je tourne à la crème avec un patch Voltaren machin. Ça va mieux. Ça va mieux. On va déjà pendant 2 jours, je bosse pas donc. Je vais pas forcer dessus, mais bon, forcément, c'est compliqué, quoi. Quand tu travailles en rayon droguerie, avec des, en plus avec une grosse OP avec des lots de 3 ou 4 bidons de lessive à porter, machin, pour recharger et tout. Mais en fait, c'est compliqué parce que là, déjà, j'ai mon médecin qui est en vacances, qui habituellement ne prend pas de rendez-vous avant 15 jours, donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on fait dans l'automédication, voilà. On fait comme on pneu. Et puis voilà. Et puis j'essaye de pas trop forcer. Mais comme je te dis, quand tu travailles au rayon lessive, c'est compliqué. Déjà, c'est quand? C'est vendredi. Vendredi, j'ai le collègue qui voulait m'envoyer au rayon liquide. J'ai fait alors. Si je peux éviter, ça m'arrangerait. Si je peux, ça me va. Ouais, non, mais en fait, c'est surtout qu'à force, au bout de 7 ans, en fait, ça y est, je commence à tomber, enfin voilà, j'ai le corps qui commence à tomber en lambeaux, quoi. Mais bon, je suis pas la seule non plus, donc voilà. Je veux dire, on est tous dans le même cas, mais je me plains pas, le dos, ça va encore. Mais là, l'épaule, enfin, c'est l'omoplate, quoi, c'est pas vraiment l'épaule, c'est toute la zone derrière, là. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, hein, gna gna, comme je, gna gna, le taurien vous fait face et vous entoure, craignez-le et respectez-le.
Ta gueule. Vous avez réduit les colons en esclavage. Voilà. Vous avez brisé leur esprit. Je ne sais pas ce que cherchait Sarred. Ben en fait, à la base, si tu veux, j'y vais. Le Torien plonge ses racines au cœur même. À la base, j'y vais. Des temps immémoriaux. Il est immuable comme le ciel. Sans broncher, tu vois. Mais vu qu'il était, il était de repos mercredi, donc je l'ai pas vu mercredi. Jeudi, c'était moi qui étais de repos, donc si tu veux, voilà. Et au final, oui, en fait, c'est le cordeau, quoi. C'est lui qui nous dit où on va le matin, etc. Et du coup, il nous dit à 6h30, tu vas au rayon liquide. Non. Si je peux éviter, je veux bien éviter. Si tu veux bien. Si tu veux bien être mignon, je veux bien éviter. Au final, j'ai fini au rayon gâteau. Ça va. Par contre, faut arrêter de se relever, les gars. La voie est libre. T'étais remort, toi ? Eh non, mais t'es beaucoup trop fragile, hein, copain, là. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Et coucou, Kiros Kramer, comment vas-tu ? Moi, ça va. Impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que... Voilà. Je sais pas si je vais tirer dessus, mais... Ah, il a pas kiffé. NPC, j'en suis sûr. Il n'a pas l'air d'apprécier le traitement. Pas du tout. Pas du tout. Non, en vrai... Garus. Mais je peux pas. Voilà. C'est parfait. Je ne peux pas équiper d'armure à Garus. À lui, je peux. À lui, je peux pas. Je vais rien suivre du stream. Alors, je vous explique. Hein ? Voilà. Je peux pas. Ah, si, je peux. C'était jamais eu que rien. Oui, on va faire ça. Non, ça c'est naze. Ah, mais c'est tout pourri s'il faut se faire toute la liste à chaque fois, on n'est pas rendu. Oui, c'est moi. Pourquoi tu cries ? Oui, non, mais déjà il est arrivé, il criait. Oui, je suis d'accord. Là, c'est marqué Turien, je peux pas lui équiper. Hein. Voilà. Agent 4, Turien, voilà. Voilà. Donc, si tu veux, tu vois, par exemple, Scorpion 4, Krogan, je peux pas y équiper. Non. Non. Comment ça dépend des stats? Ah, armure lourde. C'est trop compliqué pour moi. Non, mais d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Tiens, d'ailleurs. Hop. Ok. Intimidation. Formation d'assaut. Ok. Thank you.
Ok. Oui, mais non, je veux pas de Talid. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Non, j'ai décidé que je ne mettrai pas Talid dans mon... Mais faut manger quand c'est comme ça, Kurohashi. Bon. Bonjour. À la volée. Alors lui, il me fait trop rire. Il tourne en rond. Ok. Et lui, là, il voulait me bouffer. Oh mais il en reste. Ok. Et coucou Ichiban, comment vas-tu? J'ai rien compris à ce qui se passe dans le chat. Je lis la dernière phrase. Tu as les chaises percées maintenant. Je veux pas chercher à comprendre. Je veux pas. Je refuse. Ça va impeccable. Ça va impeccable. Il a voulu me bouffer! Garus? Bouclier désactivé! Vrex? Aïe! 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 Encore là, elle. Voilà. Eh ben, il est pas mal, hein, celui-là. J'ai pas de médigel. On les a eus, commandant. Bah oui. Ah! Le retour du fils prodigue. Prodige. Ah d'accord, très bien. Non, par contre, vous n'êtes pas obligé de développer, quoi. Hein, voilà. Voilà. Garus, mais en même temps l'autre il bouge pas, il m'énerve, il est fragile ce machin.
C'est terrible. Garrus, non, oh non, tu... Garrus, oh là 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 là. Toi, tu vas gicler de la... Tu vas gicler de l'équipe, tu vas voir. Oh. Ah bah c'est sûr, hein. Ah, tu peux faire le beau, hein. Ah, il se relève, l'autre il attend qu'il soit à moitié mort pour y tirer dessus. Non, mais... Mais lui, là... lui, il bouge pas, il tire pas. Et il se laisse mourir. C'est pas pratique. Garrus, reste en dehors de ça. Non, tu... Voilà, voilà, et il va remourir. Mais tire, fais quelque chose! Aïe! Ben voilà! Non mais... Voilà. Tu te sens bête un peu, non? Franchement. Non, c'est pas ça. Et pourquoi il est à ça? Pourquoi ils sont à ça? C'est pas normal. Pourquoi ça a bougé? Bon, tu vas mieux... Vous allez mieux vous en sortir là ou pas? Ah bah ça y est, ça commence à... Mais tire au lieu de le regarder foncer sur toi. Non mais... Oui, ou fais ça, à la limite. À la limite, fais ça. Bon. Hein? Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Et voilà. Eh ben oui, mais non. Non. Voilà. Oui, non, mais voilà. C'est « Je déteins sur toi. Kyros Kramer, tu t'es perdu. Je suis désolée. »
Ah bah oui, t'as pas dû comprendre grand chose depuis le début. Pas maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Bon. En train de me dire qu'il faut que je recommence là? Oh bordel de manger une pipe en bois. T'as trouvé toi? Nya. Ouais ouais non c'est bon, ça c'est bon, j'ai changé. On va juste oui potentiellement. Alors on va lui mettre ça. Non. Non, je suis hyper radine. On va lui... Non, pas du tout. On va lui mettre celui-là. Et moi, je vais prendre ça pour ma tronche. Voilà. Ok. Ensuite, toi, on va te mettre... Ça. Voilà. Et ça. Ça me paraît pas mal. Toi, on va te mettre... Celui-là. Voilà. Et puis ce sera déjà pas mal. Ah non, les armures. Armure, Turien, légère, 18. Voilà. Impeccable. L'autre, celui-ci là, on va lui en mettre une aussi. On peut pas, c'est pas grave. Ensuite, voilà, on va lui mettre ça, ok. On va lui mettre ça. Oui, je vais sauvegarder. Toi. À la limite. Voilà. Je peux pas sauvegarder. Je peux pas sauvegarder. Je peux pas sauvegarder. Par contre, les copains. Donc, toi, on... non, toi on a... non, toi on a dit on te met ça. Et toi on a dit tu... Voilà, impeccable. Pourquoi parler aux gens? Mais c'est énorme. Voilà, magnifique. Mais c'est énorme. Et coucou Pika Chaton, comment vas-tu? Je dormirai plus tranquille quand on s'en sera débarrassé. On doit l'éliminer.
et vite. Ah, bah, tu me dis parler aux gens, c'est important. Moi, je leur parle. L'autre, il me dit, mais c'est énorme. Bon. C'est bon, Garus, tu te sens d'attaque? Mais non, oh là là, tout de suite, les grands mots. Pas du tout. Bon. Vous vous réveillez, vous? C'est pas sa mère, mais c'est pas grave. Ok. Totale découverte. Totale découverte. J'avais essayé à l'époque. J'avais essayé. Que ce soit le premier, le 2, le 3, j'avais essayé. J'arrivais pas. J'accrochais pas. C'est pas que j'arrivais pas, c'est que j'accrochais pas du tout. Voilà. Donc, du coup, je les ai jamais fait. Et oh là, le 2. Non mais, hé, hey, oh, vous là. Viens ici. À la garce. À la garce. Et du coup, non, mais il est encore par terre, celui-là. Il est encore par terre. Bon, toi, tu me sauves. Voilà. Elle est debout. C'est le premier. C'est le tout premier. Mais après, après faut se mettre dedans. Mais oui, si de base t'aimes pas les jeux de tir, oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Garus, mets-toi à couvert, nom d'une pipe en bois. Voilà, voilà. Non mais... ben, moi je le dis très souvent. Ton Garus a presque le même skill que moi. Ah non, mais il est prodigieux, le mien. Ah, le mien, est... Pff, il est unique, je pense. Je pense que ça fait partie des choses uniques que j'ai dans Mass Effect. Voilà. Un Garus en mousse. Non mais j'ai pas dit qu'Ichiban était en mousse, j'ai dit que Garus l'était. Ah quand même du Medigel, hein, on va le soigner un peu. Voilà, impeccable, parce que bonjour. Oh non, d'un petit bonhomme en mousse.
Allez, je vous laisse faire les mecs. Voilà. Putain, j'ai cru qu'ils allaient le louper. Bon. Ensuite. Garus, tu peux arrêter. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est l'heure de la tournée des derrières. Donc, je vous présente le derrière de Vrex. Très beau derrière. Un petit peu pointu, d'ailleurs. Ah, on remarquera, il a une légère petite pointe. Ah mais attends, on va t'attendre. T'inquiète. On va faire le tour des derrières en t'attendant et on va refaire un tour de derrière quand tu seras revenu. Voilà. Donc le derrière de Vrex, légèrement en pointe, très sexy dans l'espace. Voilà, c'est très sexy. Hein, c'est un homme à femme. Hein, faut dire ce qu'il y a. Beaucoup de charme. Voilà. Monsieur en mousse, hein, Garus. Donc voici. Sont derrière, hein, voilà. Alors, lui, beaucoup plus classique, bien que un tantinet planche à pain. Mais bon, ça peut faire son effet aussi chez certaines personnes. Voilà. Et donc, nous avons le troisième derrière, qui est celui de Shepard. Là, évidemment, hein, c'est un tout autre niveau. voilà, on a quand même atteint, voilà, on n'est pas sur la planche à pain, on n'est pas sur le cul en pointe, on est sur un cul très classique, mais qui peut faire beaucoup d'effets, voilà. Pique à chaton aime bien le derrière de Vrex, voilà, donc le petit derrière en pointe, ça, voilà, c'est son dada, c'est le dada de pique à chaton. Voilà, oui, très certainement. On sent le muscle, voilà, c'est très musclé, très très musclé. Contrairement à Garus, hein, qui là, lui, de toute évidence, lui, il va pas à la salle. Hein. Voilà, c'est pas son truc. Voilà, il préfère faire la planche à pain par terre aussi, il aime bien, pour être en adéquation avec son derrière. Voilà. Très bien. Pas du tout. Voilà, donc c'était le petit, voilà, c'était le petit tour de derrière. Oui, d'ailleurs il a préféré le planquer là, hein. Vous remarquerez qu'il a pas du tout apprécié la blague, il s'est dit attendez, je vais planquer mon derrière parce que voilà. Bonjour. Alors, il faut tirer dessus les mecs, il faut tirer dessus. Où est Garus? Comment va Garus? Je m'inquiète. Voilà. Vas-y, pique à chaton. Oui, c'est ça, Garus fait la planche à pain. Il aime bien, il aime beaucoup. C'est son hobby préféré. Bonjour. Je peux pas les pré-shoot en mode de, je les pré-tue, non? C'est pas possible ça. Voilà, donc voilà. Non, c'est bon. Personne se lève. Ah, madame. Aïe. Garus, arrête de faire le caïd, tu vas finir par terre encore. Voilà, mets-toi au couvert. Magnifique, d'accord, très bien.
Très bien. C'est très poétique. Toi aussi, il aimait beaucoup faire la planche à pain, de toute évidence. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites, les deux ouaves, là? Oh là là! Oui, c'est beaucoup les feux de l'amour dans Mass Effect. Ah! Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Comment vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de cette chose? Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Et oui, tout à fait, elle chia là. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé sa reine. Non. Tout comme moi, d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Elle a essayé de manipuler sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. J'ai une question. Conciliante, je veux bien. Je sais pas faire, donc il va falloir m'aiguiller. Parce que là, j'ai très envie de lui dire bien fait pour vous, mais je suppose que ce n'est pas ce que tu appelles conciliant. Je présume. Voilà. C'est horrible. Oui, bon, pas plus que... Sois gentil. Ah. Sa reine, oui, ne semble pas avoir de scrupules. Bien fait pour vous, c'est gentil, hein. Il n'en a pas eu non plus pour le Taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux guettes de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. Alors, les colons, j'y suis pour rien. Hein? Voilà. J'y suis pour rien. Moi, j'en ai tué un par mes gardes, parce que je me faisais attaquer par les zombies et que j'ai cru que c'en était un. Après, Vrex, il en a tué deux autres. Moi, j'y peux pas grand-chose. C'est quoi cette énigma? Qu'est-ce que sa reine veut en faire? Si Vrex est une grosse brute, malheureusement, j'ai pas de laisse. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen.
pour comprendre le sens de ces visions. Vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et après leur mort, assimilés. Bon, évidemment, il faut que j'évite le « assez de conneries mystiques », hein, on est d'accord. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Signaler ! Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. Alors, Kyros Kramer, je te le dis, ça va être marqué dans ton pédigré, hein, dans ton dossier. Donc sache qu'à chaque fois que tu vas te pointer dans le chat, ça va ressortir, je te le dis. Hein, voilà. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Elle va m'agresser, là. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion... imprégner une autre âme. Elle va m'agresser. Les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. J'ai peur. Acceptez l'éternité. J'ai compris. En fait, vous avez eu un lavage de cerveau par le jeu avec ces images subliminales là. C'est qui celui-là ? Virgil ? De Devil May Cry ? Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéins fait désormais partie de votre être. Chef, tout va bien ? Que s'est-il passé ? Ça va pas fort. Elle m'a bousillé le cerveau, oui, c'est à peu près ça. J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau, commandant. Vous devez vous faire examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Dites-moi plus sur le vaisseau de sa reine. Sauverègne est indéfinissable. J'ignore comment il a été construit et d'où il vient. Mais je sais qu'il n'a été conçu par aucune des espèces connues. Les plus grands vaisseaux de l'Alliance et de la Citadelle font figure d'insectes à côté de lui. Ses armes sont dévastatrices et ses défenses impénétrables. Avec lui, sa reine ne craint rien ni personne. Et sa reine l'utilise pour manipuler ses serviteurs, c'est bien ça ? Oui. Sauverègne dégage une étrange énergie. Le vaisseau vous attire de plus en plus, et les arguments de sa reine deviennent plus convaincants, presque irrésistibles. Au bout d'un certain temps, sous l'influence de Sauverègne, vous vous égarez. Je ne trouve pas de meilleure analogie. Je voudrais en savoir plus sur Benetia. Benetia inspirait un grand respect à notre peuple. C'est une biotique d'une puissance inhabituelle, même pour une Asari. Elle était célèbre pour ses préceptes religieux et philosophiques. Benetia était toujours en quête de paix et d'harmonie.
Elle a rejoint Saren dans l'espoir de le détourner de ses instincts destructeurs. Et au lieu de ça, elle est devenue l'une de ses plus puissantes alliées. Comme je vous l'ai dit, la matriarche Benezia a sous-estimé Saren. Ne commettez pas la même erreur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Saren ? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique et par-dessus tout dangereux. Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément, sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrance. Vu que vous êtes libéré du Toria, vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi ? Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Ah, c'est gentil, merci. Coucou Lux, comment tu vas? C'est bon, ça y est. Eh ben non, Kyros Grammer, non. Ça... Elle est morte. Nous avons tout perdu, et Greta est morte. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas la force de parler. Ah, j'ai enfin les idées claires, et plus peur de douiller. Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse ? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie. Je n'arrive pas à croire que la colonie ait tenu aussi longtemps. Elle est morte. Nous avons tout perdu. Et Greta est morte. Pardonnez-moi, je n'ai pas la force de parler.
Merci d'avoir récupéré ces accus. Du coup, je vais pouvoir réparer ce tas de merde. Merci beaucoup. Comment ça? Comment ça, tu peux rien faire pour l'image? Non mais ça va pas bien, non? Non mais sérieusement. Non, par contre, blague à part... Blague à part, je sais pas quoi faire. Mais non, mais là, je retourne dans le machin. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, hein. Voilà. De toute façon... Faut que j'y aille? Ah bon, d'accord. Ah bah, j'y vais. Ah bah, feu. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Toi, Kurohashi, t'as vraiment le cerveau entre les jambes. C'est pas possible autrement. Bah oui, hein, allons-y. Allez-y vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contemplez. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Non, mais c'est ça, ça fait mal un peu aux yeux. Remarquable, commandant. Ça fait mal aux yeux un peu quand même. Vous avez été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Allais, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu ? Oh, tais-toi. La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles, quelque chose qui nous aurait échappé? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéins. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal. Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Alors, j'ai pas de torticolis, mais j'ai mal à l'épaule. Alors oui, effectivement, je peux bouger la tête. Mais par contre, le bras... le bras, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée. Le rite de communion est... Oui, on va dire ça. ...épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ça ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Oui, ça doit être ça, ouais. Hein. Non. Quoique cela dit, mercredi, j'ai pas streamé quand même.
Mercredi, j'ai pas streamé parce que, en l'occurrence, mercredi, c'est vraiment en fait le. C'est vraiment le mercredi matin où j'ai vraiment commencé à avoir mal. Le mercredi soir, je me suis pas sentie de streamer. Parce qu'au moindre faux mouvement, et c'était foutu. Oui, mais t'inquiète, tu la verras demain après-midi. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ça ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Du coup, je joue tout ça, c'est hyper pique. Ah oui. Ouais, vas-y, comme ça je vais leur raccrocher au nez encore. J'établis la connexion, commandant. Commandant, à quoi jouez-vous? Vous nous faites un rapport juste pour le plaisir de couper la conversation? Oui. Tout à fait. Ça fait du bien, pas vrai? Pardon. Oh merde. Bonjour monsieur. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nihlus. Vous connaissez la suite. C'est moi qui commande ici, Presley. C'est à moi et à moi seul d'en décider. Oui, chef. Compris, chef. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Bon. Alors, oui, très bien. Par contre, tu m'as dit il faut vendre des trucs. Je les vends où les trucs? C'est qui, Kaiden? Non, là, il va falloir m'aiguiller parce que les noms, j'ai du mal. C'est qui ce monsieur? Ou cette dame, d'ailleurs? Non, parce que le vaisseau est grand quand même. Ah, il est là! Ah, il est là! Avec plaisir. Vous voulez quelque chose, commandant? Non, pas tellement, mais bon. J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous? Très bien. Je déclare officiellement que cette conversation restera entre nous. Quelque chose vous pose problème? Honnêtement? Oui. Il y a un truc qui me gêne dans cette histoire. Saren utilise des colons comme du bétail pour obtenir je ne sais quel savoir ancien, et le conseil ne bronche pas? C'est du délire! C'est moi ou elle vient de me traiter de cruche? C'est moi ou tu viens de me traiter de cruche? Je préfère être indépendant, ne pas avoir un amiral sur le dos à longueur de journée. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail de pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, je ne remets pas en cause la mission. Je m'inquiète, c'est tout. Je ne vous importunerai plus, commandant. T'as raison. Voilà. Bon. Ok. C'est où qu'on vend des trucs?
Mais non, mais me demande pas de parler aux gens. Me demande pas de parler aux gens. Le vaisseau, il est déjà trop grand pour moi. Va en face. Va en face où? Ah, attends. Va en face à partir d'où? À partir du monsieur? Descends. Je descends avec l'ascenseur, je suppose. Aucun sens de l'orientation n'est qu'un doux euphémisme. Ah, de ouf. De ouf. Il me faut, moi, il me faut un machin comme dans Another Code, là. Un espèce de rond, là, avec une flèche. Il me faut ça. Il me faut ça, parce que là, c'est... Bon, ok. Non, j'en veux pas de ça. Ah, t'es qui, toi? Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Si. Vous vendez quoi? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes... Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. T'es un escroc, en somme. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Bon. Alors, par contre, ah, oui, ça c'est naze. Ça, par exemple, c'est... Non, c'est pas naze. Alors, attendez. Ah oui, voilà. Oui. Oui, tu te perds pas autant, mais... hein? On s'est compris. Bah, bravo. Il vous faut des provisions? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Parfait. Sauf si tu te lances dans un autre truc entre deux. Là, par contre...
ça c'est une bonne idée. Très bonne idée. Mais non. Il vous faut des provisions? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Commandant, vous avez une minute à m'accorder. Un subordonné n'est pas autorisé à avoir une discussion informelle avec son supérieur. Oui, chef. Je pensais que vous seriez un peu plus laxiste, vu l'effectif restreint. Votre navigateur, par exemple, dans n'importe quelle autre unité, il aurait largement mérité un blâme. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Vous ne leur faites pas confiance parce qu'ils ne sont pas humains. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement... Je peux la virer? Ça suffit. Vous contestez souvent les ordres de vos supérieurs? Chef! Non, chef! Mes excuses, j'ai outrepassé mon rang. Je retourne à mon travail, commandant. Voilà. Non, mais dis donc. Sale garçon. Ils sont où? Je les ai pas vus. Bah. Ah, il est là. Ah, ma carpette préférée. Beau boulot, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Le statut de spectre offre certains avantages, oui. Exactement. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière, pour une fois. Tant que vous faites correctement votre boulot, vous êtes libre de régler vos affaires comme vous l'entendez. Merci, commandant. Shepard, vous voulez quoi? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire?
n'y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Coucou Vilo, comment vas-tu? Oui, c'est pas faux. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez. Non, c'est pas pareil. Il y a quand même pas mal de points communs. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Désolé, Vrex. Je ne voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. C'est pas Carlyle qui va te contredire. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. À plus tard, Vrex. Shepard. Bon. D'accord, mais alors Tali, elle est où? Elle est là. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace cosmique. Rayonne, rayonne. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles. Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté ? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie.
Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement ? La branche civile, pour être exacte. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus ? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Vous auriez dû vous douter que ça se retournerait contre vous. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose, leur réseau neural. Quand 1 million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Pourquoi se sont-ils retournés contre vous ? Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guette questionne son contremaître. Suis-je en vie ? Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but ? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les cariens. Que s'est-il passé ensuite ? Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotées d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pensiez tout de même pas qu'ils allaient se laisser exterminer sans rien faire. Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les cariens tombaient par millions sous les assauts des guettes. Finalement, il n'eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse ? Rarement. Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. Donc, en général, ils ne demandent pas mieux. Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi ? Je dois y aller. À plus tard. Ok. Pardon. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu dis ? Que dites-vous ?
Qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, non. Ah, mais j'ai pas fait gaffe. Infirmerie, oui, c'est où ça? Eh ben, je sais pas. Ah. T'as fini? Oui, commandant. Tu arrêtes. Vous avez besoin de quelque chose? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Ou demain, si tu veux, je serai sur Cyberpunk. Demain après-midi. Quel rapport avec lui? Mais ça marche, Pikachu. Donc, je te souhaite un très très bon réveillon si tu passes pas demain. Et bonne nuit et à bientôt. Configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Ah bah parfait. Lourd handicap mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une bonne soirée, Pikachu. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Dites, commandant, la prochaine fois qu'on se posera, on pourrait éviter les colonies de zombies mutants. Enfin, c'est vous qui voyez, n'est-ce pas? Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Tout Son va centre bien. De gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas, je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions?
Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je ne peux pas vous garder à bord si vous êtes contagieux. Contagieux? C'est pas vrai. Vous êtes vraiment pas au courant, alors? Ok. Je suis atteint d'ostéogénèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Morrow. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance? Je vous préviens que si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçu. L'entreprise de ma mère travaillait pour l'Alliance. J'ai grandi sur Arcturus, à l'époque où ils construisaient les flottes. À force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'Académie. Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie des os de verre. Je dois savoir à qui je confie mon vaisseau. Je m'en doute. C'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. Il existe des traitements, mais elle est incurable. Je suis dans la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémurs, chevilles. Mes os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il y a un siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire. Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau? Je pilote pas avec les pieds, commandant. Du moment que je suis aux manettes, tout baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre, et même mieux. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Oui, mais moi je veux bien, mais c'est où la salle des transmissions? Derrière. Je crois. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Vous n'aviez pas l'air très disposé à m'aider auparavant. Pourquoi ce revirement? Le Conseil n'a jamais douté que Saren représentait une menace, commandant. Voilà pourquoi nous vous avons nommé Spectre. Nous étions toutefois réticents à déployer toute la flotte de la citadelle contre lui. Personne au Conseil ne veut vous voir échouer.
C'est pour cela que nous vous transmettons ces toutes dernières informations. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Toujours. Ça n'a pas changé. Bon, Virmir. Le tout, c'est de trouver où c'est. Commandant, un message impeccable. Du PC. Je transmets. Je m'étonne moi-même. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral ? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. C'est ça. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Combien y a-t-il eu de victimes ? 17 marines ont été tuées durant la simulation avant que nous comprenions ce qui se passait. Nous vous avons contacté tout de suite. Les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Mais malgré tout, il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Elle peut donc être désactivée. Traversez la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance. Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humain avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Bon. Commandant, je capte un signal. Ça doit être notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. On a le champ libre, commandant.
Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'aie éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Pourquoi je vais être triste? Ah mais non, je veux pas être triste moi. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous dites? Aïe! Oh bordel, le nom d'une pipe en bois. Oh.
Je vais où? Ah oui, c'est toujours tout droit en fait. C'est notre cible, commandant. Mobile vers objectif. Sur quoi lui? Non mais ça va pas bien. La voie est libre, commandant. En approche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Merci Vilo, c'est beaucoup d'entraînement. Non, en vrai, j'aime bien utiliser les snipers. Ok. Donc, pour l'instant, je m'en sors étonnamment pas trop mal. L'autre, il a pas encore fait la carpette. C'est bizarre. Il y a anguille sous roche. C'est par où que c'est-il donc? C'est par où? Je suis perdu. Oui, je suis le chien. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Bon. Logiquement, on est bien là.
Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Chien trouvé. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le chien de Mass Effect. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est ? Aïe. Alors, je sais pas comment, je me retrouve toujours en marche arrière avec ce truc. C'est terrible. Ah mais oui, mais j'ai toujours le truc anti-taurien sur les grenades. C'est pas grave. Attention, après la porte. Ça a l'air calme, mais on va se faire canarder dans le coup. Alors, le problème, c'est que t'as pas autant de grenades... Enfin, y a pas assez de grenades dans ce jeu. En l'occurrence. Bon, alors, le machin, là. Et... Oh, bordel. Commandant. Le Normandie s'est posé dans la base, mais on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Maintenant, on fait quoi? Oh, tu dois, toi. Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Manquez plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts. Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. Je veux pas être conciliante. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici, mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là, vous l'avez vu? Non, mais ses guettes sont partout, et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage.
Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire, hors de question. Mon peuple est en galérien, d'accord, c'est un galérien. Je m'en souviendrai. Si le remède quitte cette planète. Merci beaucoup Ichiban, bonne soirée, bonne nuit à toi. Et puis aussi on se voit pas demain pendant le live Cyberpunk. Très très bon réveillon pour la nouvelle année. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau, comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une des tentes à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à deux doigts de disjoncter. Vous pensez que je devrais aller lui parler? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention. Mais tenez-vous prêt, juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Merci beaucoup, Vilo. Très bonne soirée, bon réveillon à toi aussi. Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas comme ça qu'on pêche. Mais il a rien compris, lui. Non, mais... Mais regarde comment il pêche. Mais voyons. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère. Mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Qu'est-ce que je dis? Ne me forcez pas la main? Je peux rien y faire? Ta gueule du con? Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan? Vous êtes sûr que tout va bien là? Parce que cette base, je ne vous laisserai pas faire. À l'aide? Bleu? Blue? Blouge? Blue? Ces Krogan sont les esclaves de Saren. Ce sont des pantins, des outils dont il se débarrassera à la première occasion. Ah bah non, quand même, je vais pas tuer mon Krogan! Qu'est-ce que c'est? Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rakhni, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Eh ben, t'es bien mignon. Juste une chose. Quand on trouvera Saren... Parce que j'ai cru que t'allais me pêcher comme les poissons. Sa tête. Yeah.
Bon, c'est bon. Le gros est calmé. Monsieur Machin. Monsieur Truc. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan? En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Ah. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. D'accord. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied? On n'est pas assez nombreux. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. J'espère seulement que vous survivrez assez longtemps pour que ça marche. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Bah non, j'ai pas envie. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Je peux envoyer Ashley? Comme ça, je m'en débarrasse? Je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Genre, je lui dis bonne idée. Et là, il va me dire, vous choisissez qui? J'envoie la morue. Et puis voilà. Non? Non? Bon, on va essayer. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Bah, la coconne. Je suis volontaire, commandant. Ah mais non! Passive, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Ben voilà. Tout le respect que je vous dois, artilleur, c'est pas votre idée. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule? Non, pourquoi faut que je garde la morue? Non. Donc faut que j'envoie lui, mais il est sympa, lui. Moi, je l'aime bien. Alenko. Vous allez avec le capitaine. Pas de fioritures, compris? Oui, commandant. On va chercher la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant? Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. Non, mais... C'est l'heure de vérité. Ash, ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, commandant. Ça va aller, lieutenant. Sans doute, mais... Bonne chance. C'est une mission dangereuse. Restez sur vos gardes et préparez-vous à toute éventualité. Bien compris, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire... Tu pouvais pas dire le mais avant. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle. Non, je pense que je le ferai la semaine prochaine. Secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous tu pouvais pas dire le mais avant. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Je vous jure que j'aurais pu l'envoyer la morue. Les Rachni. Si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Saren ce qu'est l'influence galarienne. Mmh. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous l'enverrons. Oui, bah ramène-moi mon capitaine, là. Test de communication. Vous me recevez, commandant? 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail.
Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Kirae, Kirar, Kira... Kira, insertion pourquoi. Ombre confirmée. Je répète, insertion ombre confirmée. Alors, par contre... Pas atteindre les tourelles guettes. Elles sont hors de portée. Salaud. Quoi, c'est tout? Quoi, c'est tout? Fallait juste que j'aille à demi-tour? Système de visée. Ils sont vulnérables. Lieutenant Alenko, protégez Manovai. Je vais où? Les gars, je suis dans un cul-de-sac. Ah bah oui, effectivement. Oula. Oh, j'aime pas cette ambiance.
commande des attaques satellites. Geto, surveille les stations de transmission. Alain, ah, je peux pas sauver. Vous voyez quelque chose? Bon, ok, ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé et je pense que je vais m'arrêter là. Du coup. Parce que je pense que sinon ça va être long l'histoire. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens que ça va être assez long. J'ai un truc là, mais... Mais c'est sûr... Non, c'est surtout que, en fait, j'ai peur que la mission soit longue. On se fait massacrer. À couvert avant le prochain passage. Fait peur. Bah. Non, mais le problème c'est que sur la carte, j'ai pas d'objectif en fait. C'est bien ça le truc. Là c'est un cul-de-sac. Ah là je peux sauvegarder. Ok. Ok, donc oui, effectivement, ça va être long. Effectivement, ça va être long. Donc... Me passe pas devant, toi. Le capitaine Kira est touché. Egor, regroupez-vous avec Geto. Maintenez cette position. Et tirez-lui dessus, nom d'une pipe en bois. Bon, ok, hein, on a compris. On a compris, ok. Donc, ouais, je la finirai demain. Je la finirai demain tranquillement. Pas demain, qu'est-ce que je dis? Demain, c'est Cyberpunk. La semaine prochaine. Oui, dis-moi. Oui.
Non, demain Cyberpunk. Non, je me suis planté. Me suis trompé. Voilà. Donc. En plus, je commence à être fatiguée. Donc. Demain. Cyberpunk. 14h-16h30. Cyberpunk. C'est le stream de. En gros, c'est le stream de mercredi que j'ai pas fait à cause de l'épaule. Donc je fais ça demain. Samedi prochain, du coup, on finit ça. Oui, mais trompèche, non, pas du tout. Pas du tout. samedi prochain, Remass Effect. Et entre deux, il y aura mercredi avec Re-Cyberpunk, du coup. Quoi qu'il en soit, à ceux qui seront là demain, je vous dis à demain. À ceux qui ne seront pas là demain, je vous dis bon réveillon du nouvel an. Et puis on se retrouve prochainement, évidemment, donc en live sur les réseaux. Sur le Discord, si vous y êtes, n'hésitez pas, hein, si vous y êtes pas, vous êtes les bienvenus. Ça marche, pas de soucis, s'il faut m'aider pour Judy, il n'y a pas de soucis. Pas de problème, Kurohashi, je te dis soit demain, et si je te vois pas, eh bien, bon réveillon du nouvel an à toi, passe une bonne soirée, et voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très vite, bonne nuit et merci encore. Allez, ciao ciao. Je vais essayer de dépasser les minuit. Fais, moi je sais que j'y arriverai pas. Allez, ciao ciao.